après une sacrée montée au-dessus des hautes rivières, je trouve ce petit chemin qui, normalement, me mène à la Croix d'Enfer. Donc je suis déjà très haut. Il est 8h30 du matin, il y a du soleil. Oh, il fait pas super chaud, il fait 12 degrés. Mais bon, ça va monter en température. Hein. Voilà, donc me voici à la Croix d'Enfer, hein, qui est sur un piton rocheux au-dessus de haute rivière. Voilà. Très très joli. Joli point de vue. En bas, ben, on voit les maisons. Lasse-moi là dans le virage. Et on entend les ouvriers qui travaillent à l'usine de la chière là-bas au fond. Sidérurgie, estampage et compagnie. Et moi je viens de par là. Bon bah les enfants, c'est l'heure de la pause. Hein. C'est l'heure de la pause. Bon, un bon coup de fête déjà. Eh bien, belle rando ça, hein, la Croix d'Enfer au-dessus des hautes rivières, une belle rando. Allez. Alors, sauciflard, aujourd'hui, pâté et naf. Et puis une compote, et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Mmh. Et là, je me suis arrêté dans un endroit bien calme. Il n'y a pas un chat, comme d'hab. On ne va pas se plaindre. Hein. Non, mais. Ça fait un petit bout de chemin. Hein. À partir des hautes rivières. C'est sur l'autre rive de l'Asmois. Ça fait face à la Roche Margot. Ça vaut la peine. Voilà. Donc mon sauciflard. J'ai pris une petite boîte de pâté neuf. Une compote. Parce que c'est pratique. Mon bon pain. Et le tour est joué. Vous entendez les petits oiseaux qui m'accompagnent. J'ai faim. Hein. Et puis, 8h30 hein, que je suis dans les bois. Ah. Voilà, le temps se coupe, mais bon, il pleut pas. Il faisait plus beau ce matin. Hein. Ah ben, je souhaite à tout le monde
Un bon appétit. Le mien est bon. Et puis c'est tout.